On sait que c'est toi. Tu peux pas le nier. Je vous jure que ce n'est pas moi. Je n'étais même pas là. On a des preuves. On a des ordres. Interrogatoire de Monsieur Antoine Luc Ghislain Miquet, Turbo Henri II de Bavière. Je peux vous appeler Miquet? Bah oui, oui, oui. Ok, Miquet. Où étiez-vous le 26 mars 2020 à 17h? Oh, bah j'étais chez moi. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais de la contrebasse. Je n'ai pas demandé le hobby, hein. Demandé la profession. Métier. Je veux appeler mon avocat. Ah bah mince. Il est tombé. On va fonctionner maintenant, c'est... Allô? Qu'est-ce que c'est? Bon. Revenons-en à nos cochons. Ah bah non, du coup. C'est nos moutons, l'expression. Vous connaissez Shrek? Shrek. Le film Shrek? Shrek. La victime. Un homme, mère de famille. Installé en ville depuis 2016. Situation stable, pas d'ennemis connus. Vous le connaissiez? Pas le moins du monde. Étrange. Il a été retrouvé suicidé d'une balle dans le crâne dans sa maison de campagne à 300 km d'ici. Suicidé, vous dites? Non. Les médecins ont écarté la piste du suicide. Ils disent que de se mettre une balle dans le crâne avec les mains liées, c'est plutôt compliqué. Soit. Pourquoi moi? Les membres du voisinage ont aperçu le tueur sortir de la maison. Et on a réussi à dresser un portrait robot. Ça ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? Ah bah là, si. C'est vous. N'essayez pas de jouer au plus malin avec moi. On n'a pas élevé les moutons ensemble, hein. Vous voyez derrière moi? C'est une vie de centain. Oui, non, mais ça va. J'ai souci de mes centains. Mais là, je vois à travers. Con. Tu permets. Au boulot. Bon, puis la petite sœur, hein. Bon, vous allez me retenir encore longtemps parce que j'ai l'impression que vous n'avez rien contre moi en fait. On n'a rien. Non, vous n'avez rien. Non. Donc là, toi, t'insinues que nous, on n'a rien. Bah oui, je l'insinue, ouais.
On a rien. Il est mort. C'est bien ce que je dis, vous avez rien. Hé, hey, mollo l'astico, hein. Bah tout a pas de preuves contre toi. Bah Jésus, montrez-les-moi, je n'attends que ça. Bah déjà, il y a les voisins qui t'ont vu sortir de la maison. Et ils disent avoir entendu un coup de feu. C'est bien beau tout ça, mais ce n'est pas possible. Comment ça? Eh bien, ils n'ont pas pu entendre ce coup de feu. La maison est isolée acoustiquement. Puis, le voisin le plus proche se trouve à plus de 100 mètres. Je ne comprends pas. Très bien. Je vais vous l'expliquer. On sait que les voisins sont à plus de 100 mètres. Le coup de feu a dû atteindre 140 décibels à la source. Mais ce n'est qu'un détail. Accordons-nous plus de temps sur la pièce. Elle doit faire quoi? 75 mètres cubes? J'ai fait une approximation du taux d'absorption de chaque paroi. Les murs et le plafond sont égaux à 0,7%. Le sol en moquette à 0,3%. Les fenêtres à 0,2%. Ainsi que la porte à 0,4%. Donc, tac tac. J'applique la formule du TR60 que m'a inculqué Dr Vacher. Et j'arrive donc à trouver 0,289 secondes. Incroyable, non? J'aime me perdre la biscotte. Je n'ai pas résolu le problème principal du voisinage. On sait que la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Et que les voisins se trouvaient à plus de 100 mètres. Donc par A plus B, le temps qu'a mis le son à les atteindre est de 0,294 secondes. Certes. Mais j'ai ici montré deux choses différentes. Mais je peux montrer une dernière petite chose qui va vous faire plier. Un son à 140 décibels perd à 100 mètres 50 décibels. Ce qui nous fait arriver à 90 décibels. Là, je vous l'accorde, les voisins l'auraient entendu. Seulement, vous oubliez une chose. L'absorption du mur et des fenêtres. Et oui, elle donne sur la rue. Donc, 11. C'est plus que... Et voilà, on trouve une absorption égale à 7,4%. Soit une baisse d'à peu près... par décibel, quoi. Ce qui nous fait arriver à 70 décibels. C'était un samedi d'été. Les gamins jouent au ballon. Ça aurait très bien pu être le bruit d'une poubelle. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Ah, mais plus que certain. C'est le docteur Vacher qui me l'a inculqué. Enfin, je vais voir ce que je peux faire. C'est lui qu'on interroge? Ouais. Ça fait 10 minutes qu'il parle tout seul, là. Ah, d'accord. On n'est pas sorti à faire. Je vais aller voir ce que je peux faire. Les membres du voisinage ont aperçu le tueur sortir de la maison. Et on a réussi à en dresser un portrait robot. Action! N'essayez pas de jouer au plus malin avec moi, hein. Vous voyez derrière moi, là? C'est une vitre sans teint. Oui. Ce qui veut dire que... Je sais ce que c'est, une vitre sans teint. Mais là, je vois en travers. On fait le kit. T'aurais dit quoi le... Je vais faire une petite, hein.
Parfait. Coupé. On va sortir de la maison. On a réussi à redresser un portrait robot. Cela ne vous rappelle-t-il... Cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? Coupé. Ouais, c'est pas... Cassé. Je me demandais jusqu'à quand vous pouvez le faire. Revenons à nos moutons. Pas du tout, c'est que nos cochons. Coupé. Ah d'accord. Pas sorti d'affaire. Coupé.